Francis Carsac, de son vrai nom François Borde, est une légende un peu oubliée de la science-fiction, et notamment de la science-fiction française. Né en Périgord, il a entrepris des études de géologie après un long voyage en Asie, et il s'est imposé assez rapidement comme des noms importants de la paléontologie, au point d'en arriver à diriger un des plus grands centres de recherche sur la préhistoire, et notamment dans tout ce qui était recherche sur les outils. Voilà. Donc, François Borde est quelqu'un de très célèbre. Mais, parallèlement à sa carrière de paléontologue, il a mené pendant quelques années, et notamment quand il était jeune, une carrière d'écrivain, dans un domaine dans lequel la France compte peu de noms importants, qui est celui de la science-fiction. C'était au début des années 60, et il va, pendant une dizaine d'années, écrire 6 romans, une vingtaine de nouvelles, parmi lesquelles on compte ceux de nulle part, Terre en fuite, Ce monde est nôtre, un roman que nous avons réédité il y a 2 ans, qui, à l'époque, rivalise avec les grands noms américains. Il est accueilli notamment dans la collection Le Rayon Fantastique. Introuvables, pour la plupart, ces œuvres, hein, qui n'étaient plus rééditées depuis longtemps, elles nous semblaient mériter de sortir de l'oubli, hein, et qu'on replonge dans cette époque singulière du space opéra à la française. Alors après Ce monde est nôtre, nous nous concentrons sur un titre paru en 1962, lui aussi, qui s'appelle Pour patrie l'espace, voilà, qui est une des références du genre dans ce domaine. Pour patrie l'espace, c'est donc, comme son nom l'indique, un vrai roman d'aventure spatiale qui met en scène un soldat, un gars qui s'appelle Tinkar, le genre qui exécute les ordres, voilà. C'est un messager de l'Empire terrien, cet empire qui est assiégé, et pour sauvegarder en quelque sorte la noblesse qui gouverne la Terre sous un régime extrêmement autoritaire, un régime militaire qui a la main sur les castes inférieures, il est là pour porter des ordres vitaux à travers l'espace. Mais son vaisseau est victime d'un sabotage, il explose, et le voilà en train de dériver dans le vide stellaire. Chance, comme il y en a dans les romans, il est recueilli à bord d'une cité spatiale, quelque chose d'incroyable, un vaisseau immense qui navigue au cœur des étoiles. Voilà. Ses habitants sont en fait des fuyards. Ils ont fui plusieurs siècles auparavant l'Empire et ils ont créé une civilisation différente de celle de leurs ancêtres avec une utopie réalisée, une utopie qui est basée sur le partage et la vie en communauté. Voilà. Refusant de s'installer sur une planète, pour ne pas courir le risque en se sédentarisant de reproduire des modèles toxiques, il se balade, il vogue en quelque sorte dans l'espace immense, ayant un rôle de commerçant nomade et évitant à toute force le fameux empire, l'horrible empire qui peut nous faire penser à un autre empire. Et c'est un des aspects de Francis Carsac d'avoir beaucoup anticipé sur ce qui deviendra une norme dans la SF anglo-saxonne américaine. Alors les stelléens qui accueillent cet homme le méprisent, bien entendu, hein, ils considèrent que c'est un esclave et qu'il faut donc ne pas le considérer, hein. Alors lui, rejeté, est malgré tout décidé à continuer à poursuivre sa mission, même au cœur de ce vaisseau. Voilà. Et par un effet paradoxal, un effet romanesque intéressant, cet homme qui est rejeté, qui est honni par ses utopistes, parce qu'il représente une civilisation qu'il déteste, va peut-être constituer en fait la chance de ces gens-là. Voilà. Parce que peut-être qu'un danger les menace et qu'il va avoir la solution. Voilà. Alors c'est un livre d'aventure, avec des drames, des revirements, et puis un miracle. Et puis, il y a cette fin magnifique, une fin qui devrait dans toutes les anthologies de SF, dans laquelle François Borde, le paléontologue, nous parle de la fin et du début des civilisations. Voilà. C'est un pur space opéra, avec une écriture, une belle écriture classique, avec surtout un vrai fond, un fond humaniste, qui nous rappelle que la science-fiction, la bonne science-fiction, n'est pas uniquement là pour nous raconter de gentilles histoires. Voilà. Le livre est préfacé par Laurent Genefort, une préface inédite, et il nous permet de continuer la réédition des grands romans de Francis Carsac.